Salut tout le monde, c'est Sam Piqué, bienvenue dans Splatoon 2. Aujourd'hui, on va faire des matchs pro dans en mode mission bazooka. On va faire une belle mission là-dedans. Et c'est parti, j'aime ça marcher dans le Chromapolis. Bon. C'est parti, on va attendre le petit moment. Et j'avais dit que j'aurais pris le calibre 200 Tonica. Et on va faire une émission Bazookarp. Parce que quand même, l'émission Bazookarp, je trouve que c'était un très bon mode de jeu. Mais moins le fun que la défense de zone. Parce que je trouve que la défense de zone, c'est très compétitif. Que quand je joue sur Wii U, je suis toujours en train de me faire éclabousser un peu partout. Et j'en éclabousse beaucoup. Et aussi, mais dans Splatoon 2 aussi, c'est pas mal la même chose. Mais il me semble que les... Je trouve qu'il y a un petit quelque chose de différent dans le 1 et le 2. Et aussi, juste une petite question à propos d'un jeu. Il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu Crash Team Racing. C'est à peu près la même chose que Mario Kart et Sonic Team Racing. Je voudrais savoir si vous voudrez que je fasse quelques vidéos de Crash Racing. J'ai envoyé une petite... lorsque je tourne cette vidéo, ma story doit être déjà terminée, mais j'ai envoyé une story sur Instagram pour savoir pour le moment, mais je pense que vous êtes plusieurs qui veulent que je fasse une vidéo de Crash Racing. Si j'en fais, j'en ferai peut-être pas souvent, parce que je fais du 50-50 avec Fortnite et Splatoon 2. Et évidemment, je jouais plus sur ces deux jeux-là, mais aussi dans hors vidéo, je vais sûrement jouer à mes autres jeux aussi. Bon. Je suis en train de baisser le volume de ma télévision. Bon. Quand même, je suis rendu loin. On veut que mon équipe arrive quand même dans l'équipe adverse. Wow. Merde. C'est un piège. Ah, par la double encore Tonica. Je pense que dans cette vidéo-là, je vais prendre pas mal des armes de Tonica. C'est facile parce que la plupart du temps, dans Splatoon, quand je suis de toi, ben, je le fais pas. Ben, c'est possible, on veut que je le fasse. Sinon, ben, chicanez-moi. Chicanez-moi sinon. Ah merde, celui-là je l'avais même pas vu. En fait, moi je sais même plus si Endzap Tonica. Je sais pas si j'aurai le temps de checker ça, mais au moins faire une vidéo de Tonica. Non, on aurait pu venir m'aider, j'aurais sûrement eu. Ah, misère. C'est vrai, faudrait pas que je m'envoie les rejoindre aussi. Ah, come on, on va l'avoir, on va l'avoir. On est capable. Merde, faudrait bien que je me pratique avec cette arme-là, mais je pense pas que ça serait possible parce que je suis pas assez rapide avec.
soit comme un double nettoyeur ou un double engrais ou le push-push ou le capable de bien maîtriser. Hein. On a tout. On a tous nos guns les plus forts. On peut pas être fort avec tout évidemment. Là. Ah bah le monde vu hein. C'est bien. Non mais comment ça que je suis allé de ce côté de merde? On aurait pu gagner. Ah, et ça n'attendait pas que j'en aille tirer en bas lui. Il apprendra. C'est pas mal, si on a la bazooka, on a gagné. On a gagné, parce que quand même, c'est pas mal moi qui ai fait tous les points environ. Bon, ben, c'est pas grave. Au moins, c'est qu'on a gagné, il nous manquait 3, 7 points pour gagner. C'est moi, le meilleur de l'équipe. Pour le moment, le dernier Splatfest n'a pas encore été dévoilé, mais déjà on sait c'est lequel. Je vous l'ai déjà fait une vidéo spéciale. Bon, j'ai oublié de changer d'arme. Et je vous ai déjà fait une vidéo spéciale pour le dernier Splatfest. Déjà, pour eux qui savent dans quelle équipe que je suis, écrivez dans les commentaires pour être sûr si vous savez si je prends bien l'équipe de Perle qui est le Chaos ou l'équipe de Coralie qui est Lord. Ça, on va savoir qui aura raison pour le dernier Splatfest de 72 heures. Et on va avoir du fun aussi. Mais comme que je l'ai dit, pour le dernier Splatfest, si je me trompe pas, je pourrai pas faire le dernier 24 heures pour le Splatfest. C'est-à-dire, j'aurai un bon, si je me trompe pas, que 48 heures. Et pour les vidéos, mais je pense j'aurai 3 semaines de congé. C'est-à-dire, un bon 3 semaines de pas de vidéos. C'est-à-dire, juste à vous y attendre. C'est-à-dire, mes vidéos vont être de retour dans 3 ou même dans un mois à peu près. En même temps que l'école qui va recommencer aussi au mois d'août, septembre environ, là les vidéos, ça va être un peu plus difficile en même temps. Nous sommes de retour dans Sainte-Sirène. Là, faut vraiment que je change de gun après cette partie. Oh, il y a un rush kit de l'équipe adverse. Peut-être qu'on a l'avantage, peut-être qu'on a le désavantage aussi. Hein. Pour moi, si j'ai beaucoup de victoires dans un match pro, je pense que mon niveau va beaucoup augmenter. Ce qui est très génial.
Regarde. Oh, comment un multi-missile, c'est vraiment bon. Dans l'équipe adverse, mais pourquoi on n'arrive jamais à au moins à se rendre à réussir à gagner. J'avais jamais à bien viser avec n'importe quelle arme qui n'est pas le double pistolet ou le push-push. Oh, le double pistolet, il fallait dire le double ancreur ou le double nettoyeur. Mais j'espère que vous me pardonnez. Je vais me tromper de jeu. Ah, quand même que l'équipe est assez forte. Ah yeah, on a réussi à l'avoir et à les éclabousser à temps pour au moins gagner là. Non, deuxième victoire. C'est encore moi qui est en première place de l'équipe. Ok, on est dans le OK. Bon, on va aller changer de gun. Ça va être trois parties. Avec deux fois la même arme, ce qui est triste. Ah, oh, mais tiens. Alors, cette arme-là, ça va nous aider à plus avec son multi qui est vraiment fun, le multimissile. J'espère d'être dans le Tentatex Studio parce que t'es dans le premier Splatoon. Pour ceux qui étaient dans Splatoon 1, évidemment, qui a connu ce jeu-là. C'est quand même qu'il a tellement bien marché Splatoon qu'ils en ont fait un deuxième. Et tellement que le deuxième a très vraiment bien marché, même si le côté est plate, il faut payer pour jouer en ligne. Splatoon reste toujours un très bon jeu. Mais
Sinon, il y a sûrement d'autres bons jeux aussi que Splatoon, mais pour moi, Splatoon est mon jeu préféré. Peut-être pour vous, c'est un jeu de course ou de Sega, ça dépend. Peut-être que vous préférez plus Fortnite ou Rambo ou Mario Kart Deluxe, je sais juste pas. On sait pas quel est votre jeu préféré, écrivez-moi le dans la description si ça vous tente de me dire quel est votre jeu préféré. Là, nous sommes dans le Tentatech Studio. Bon. Pourquoi ça fait énormément longtemps que j'ai pas utilisé de gun héroïque à part le snipe, parce que le snipe c'est souvent cette arme-là que j'utilise le plus. Dans les matchs pro évidemment. Ce soir là ah merde, un bomb curling quand même, les joueurs sont vraiment forts hein. Je pense quand même pas mal de temps, mon équipe s'est vraiment rendu loin. Ah, what the fuck. C'est un peu là que je voulais aller. Il m'a éclaboussé, mais je l'ai éclaboussé, ce genre-là m'a éclaboussé vraiment souvent. Ah, j'aurais pu monter par là. D'abord. Ah, il y a qui... Bon. Ah, mais il y avait le dynamo rouleau, quand même. Ça finit, c'est moi qui l'ai mis. Seigneur, on dirait qu'on était précis sur cette partie-là. Bon. Une troisième victoire, j'ai envie de continuer.
Oh, 10 kills avec cette arme, vraiment stylé. Nous allons faire une petite dernière quand même, hein. Mais cette fois-ci, on va utiliser la même. On va prendre une autre arme. Je voulais utiliser le même. Mais on va en prendre une autre. Tac, c'est Tonika. Oh, ok, on va essayer le pinceau Tonika parce que je voulais trop l'essayer. Il y a peut-être qu'on va perdre, mais peut-être qu'on va gagner, on ne sait jamais. Vaut mieux essayer que ne pas essayer. Et avoir du fun aussi. Et si ça vous intéresse de faire des matchs privés, ou des matchs classiques, ou des matchs de ligue avec moi, je vais l'écrire dans les commentaires. Et ça va me faire plaisir de jouer avec vous. J'attends toujours des personnes avec qui jouer. J'aimerais bien jouer avec vous aussi à Splatoon. Au lieu de Fortnite, évidemment. Parce que quand même, Fortnite, je sais que c'est un jeu que tout le monde aime. Peut-être pas tout le monde, évidemment. Splatoon, c'est quand même un jeu vraiment différent. Il y a quand même plus que les mises à jour se terminent bientôt. Mais vaut mieux quand même que vous me demandiez de jouer avec moi. Dans les commentaires, évidemment, si ça vous intéresse. Ce serait fun. Ok, on est deux épinceaux. Et le cap, ça faudrait qu'il dépasse 4 points pour pouvoir réussir. Oh, on pense pas. Bon, moi j'ai éclipsé quelqu'un.
Non. Combien de fois je vais éclater à chaque fois que j'arrive? Je sais pas, vous avez qu'à réussir à calculer ça. Allez, salut !